la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin à Saint-Pierre pour ce dimanche du temps de la Passion qui nous mène vers la célébration de Pâques. Pour entrer dans ce culte, nous invoquerons la présence de Dieu avec un psaume, le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je mon âme accablée et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Regarde, réponds-moi, ô mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort et que mes adversaires me disent « Je l'ai vaincu ». Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut, et je chanterai à l'Éternel car il me fait du bien. Et normalement, vous le savez, après l'invocation, il est de tradition de chanter. Nous pouvons le faire aujourd'hui pour les raisons que chacun connaît, mais c'est donc notre organiste Vincent Thévenin qui va se livrer à des variations à partir du cantique 33, qui est un psaume. Dans l'évangile de Marc se trouve relatée une rencontre entre Jésus et un maître de la loi. Et la question qui est posée à Jésus est la suivante: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le maître de la loi lui répondit: c'est bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voici à nouveau ce matin, réunis devant ta présence invisible, dans la gratitude, dans l'espérance et dans l'écoute.
connaît chacun ici mieux qu'il ne se connaît lui-même. Tu es le maître du temps. Et ta veille fidèle accompagne le chiffre de nos jours. Tu connais nos faiblesses, nos erreurs et nos fautes. Mais tu es le Dieu des nouveaux départs. Avec toi, nous savons que la vie peut être transformée. Alors, pour les recommencements que tu nous offres, nous t'exprimons notre gratitude. Tu connais également, ô Dieu, nos craintes, nos angoisses et même notre familiarité avec la peur. Mais tu es celui qui affermit le pas hésitant, qui inspire le courage de vivre et de mourir. Aussi, en toi seul, nous plaçons notre espérance. Tu connais enfin, ô notre Dieu, les interrogations, les doutes, l'ignorance qui se bouscule en nous. Mais ta parole nous éclaire. Jésus a dit : cherchez et vous trouverez, demandez et on vous répondra. C'est pourquoi nous sommes maintenant réunis dans l'écoute et l'attente de ton éclairement. Béni sois-tu d'être pour nous le Dieu de maintenant, le Dieu de toujours et le Dieu de l'amour qui ne périt jamais. Par Jésus-Christ. Amen. Quiconque se tourne vers Dieu avec confiance est assuré de recevoir de lui cette certitude : je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Je vous invite à confesser notre foi chrétienne. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Esprit qui vient en aide à notre faiblesse. Amen. Et nous entendrons maintenant au cantique 279, un cantique de la Passion, ô Jésus, ma joie. Thank you.
Je vous lirai ce matin, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, ce passage qui se rapporte à la prière du roi Ézéchias, tombé gravement malade. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. Et c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté loin derrière ton dos mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité, mais c'est le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui te célèbre comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner des instruments tous les jours de notre vie, à la maison de l'Éternel. Ma seconde lecture, qui sera sur laquelle je voudrais appuyer ma prédication, se trouve au chapitre 9 de l'Évangile de Jean. C'est le récit de la guérison de l'aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté à travers lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, confectionna de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui se traduit par « envoyé ». L'homme y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui-même disait « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc « Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Qui est cet homme ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » Et je vous rappelle, pour finir, cette exhortation que nous lisons au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme des enfants de lumière. » Et nous prions. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous te prions que tu envoies sur nous ton Esprit et que par lui nos cœurs, nos intelligences soient éclairés.
que nous recevions ta parole et la semence de ta parole en nous. Que ce que tu as à dire à chacun, nous l'entendions au plus profond de nous. Sois-nous en aide par Jésus-Christ. Amen. Et nous entendons maintenant un jeu d'homme. L'évangile de Jean est parfois appelé l'évangile des signes. Les miracles accomplis par Jésus y sont au nombre de 7 et ils sont invariablement appelés par l'évangéliste des signes. La guérison de l'aveugle-né que je viens de lire est le 6e signe. Cette appellation déjà veut nous dire que cette guérison n'est pas une simple guérison anecdotique, mais qu'elle est l'occasion d'une prédication. Et d'ailleurs, Jésus parle beaucoup. Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Je vous propose de vous arrêter un instant sur le contenu de cette prédication. Elle s'ouvre sur un échange à propos du péché. Ce n'est pas cet aveugle qui a péché, ni lui, ni les gens de sa vie. Les croyances populaires associaient volontiers la maladie et le péché, d'une façon plus ou moins karmique, si j'ose dire. Et ça ne vous aura pas échappé, le roi Ézéchias lui-même fait un lien à la fin de son psaume entre la maladie dont il a réchappé et ses propres péchés. Couramment, la maladie ou l'infirmité étaient considérés comme des punitions divines pour des fautes commises par la personne ou par quelqu'un de son ascendance. Jésus rejette ces croyances. Ce qui compte, c'est que les œuvres de Dieu éclatent en cet homme. La maladie appelle de notre part non pas une condamnation morale, non pas une culpabilisation, mais clairement une aide à la guérison. Bien sûr, la dimension symbolique de ce personnage
de l'aveugle né ne doit pas nous échapper. Et il y a un lien étroit entre ce qu'est véritablement le péché et l'aveuglement. Pour Jean, pour l'évangile de Jean, la condition native des hommes se tient dans une obscurité qui les éloigne à la fois de Dieu et d'eux-mêmes. C'est constitutif du fait d'être humain. Et Calvin, au passage, remarque que, je cite, « toutes les fâcheries ou angoisses auxquelles nous sommes sujets viennent du péché. » Le péché, en réalité, on est né avec, quoi que l'on fasse ou ne fasse pas. La faute, c'est la conséquence du péché. Ça n'est pas sa cause. C'est parce qu'on est pécheur que l'on faute, mais ça n'est pas parce que l'on faute que l'on devient pécheur. Ou pour le dire autrement, nous pourrions par hypothèse rester, demeurer toute notre vie durant assis dans un fauteuil sans rien faire. Et pourtant, nous n'en demeurerions pas moins des pécheurs. Cette condition native d'aveuglement, elle entraîne que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants de qui est Dieu et de qui nous sommes en vérité. Nous en faisons des idées fausses et nous confondons tout avec ces fantasmes de punition. Tant qu'il fait jour, dit le Christ. Voyons maintenant cette image toute simple, universelle, du jour, pour désigner la vie humaine. Le cours de cette vie est comparé par Jésus à un jour quotidien. D'ailleurs, d'un enfant tout petit, on dit qu'il est à l'aurore ou à l'aube de sa vie. D'un adulte, on dit qu'il est au zénith, et d'un vieillard, qu'il est au crépuscule. À la différence des autres espèces vivantes, l'être humain ne se contente pas d'exister, mais très tôt, il prend conscience de sa mortalité, ce qui est exprimé ici par les paroles « La nuit vient, la nuit vient ». Nous sommes, comme disent les philosophes, des consciences de soi sous le regard de la mort. Nous savons que nous sommes candidats à la mort, nous espérons, le plus lointain possible. Mais néanmoins, c'est notre condition. Et cette nuit, qui pour Jésus viendra vite, nous sommes au seuil de la passion, cette nuit, elle viendra pour chacun d'entre nous. Chaque moment, chaque heure, nous en rapproche. Ce qui pose la question des priorités. Tant qu'il fait jour, que ferai-je? Comment vais-je employer ce temps qui m'est imparti? Quels seront mes buts? Mon échelle des valeurs? Le sens que j'essaye de donner à ma vie? Jésus, lui, il a une priorité. Et cette priorité, elle est livrée dans ce signe. Travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Et en quoi consiste ce travail? Eh bien, ce qu'il explique, c'est le geste qui est joint à la parole. L'usage de la boue qui est à
appliquée sur les yeux de l'aveugle fait penser au verset de la Genèse « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol ». Il s'agit donc d'un geste de création, plus exactement d'un geste de recréation, puisque vous considérez que la guérison d'une maladie répare, remet à l'endroit ce qui était en quelque sorte endommagé, et que donc elle recrée. Et cette recréation s'inscrit tout droit dans le sillage de l'œuvre de Dieu, qui, encore une fois, n'est pas une œuvre punitive, mais une œuvre de création. Son travail ne consiste pas à surveiller, à punir, à dispenser les maladies comme des sanctions pénales, mais à recréer encore et toujours les êtres humains. Une prise de position aussi catégorique de l'Évangile sur ce sujet n'est pas inutile en ces temps d'épidémie. Nous entrons dans la deuxième année quand même. L'explication punitive de la Covid-19, elle est partout. Elle circule partout. Bien sûr, sous une forme sécularisée, mais elle circule. L'épidémie serait la conséquence, je cite, soit du réchauffement climatique, soit du recul de la biodiversité, de la mondialisation. Bref, ce serait l'effet boomerang de nos manières de vivre, jugées fautives. On entend cela, alors on peut en discuter, moi je n'ai pas d'avis sur cette question. Simplement, si on en discute, il faut prendre garde à une chose. Ne mêlons pas Dieu à cette discussion, car Dieu n'a rien à y voir. Et s'il fallait absolument chercher Dieu dans, quand même, cette tragédie collective qui nous accable, je le chercherais plutôt du côté des forces de guérison qui se manifestent et qui finiront par l'emporter. Je le chercherais dans l'extraordinaire intensité de la recherche scientifique, dans le courage et le dévouement des soignants, et aussi dans la résilience, somme toute admirable, des populations. Je le chercherai du côté de l'énergie morale et spirituelle et du relèvement. Ne mettons pas Dieu là où il n'a aucune chance d'être. J'ai dit que l'aveugle de naissance était emblématique de la condition humaine ordinaire. Laissée à elle-même, l'humanité est dans la nuit et elle se montre incapable de s'en sortir par elle-même, de s'en extraire toute seule. Sur ce point précis, le pessimisme de l'évangéliste Jésus, de son Jésus en tout cas, est sans nuance. Par ses propres moyens, l'humanité n'a aucune chance d'échapper à la nuit ou d'échapper au péché. Et il n'y a pas de stratégie humaine qui puisse nous permettre de conjurer ça. Ce qui distingue mon passage de la fameuse caverne du philosophe Platon. On a parfois fait la comparaison. C'est vrai qu'au départ, ça peut y ressembler. Je vous le rappelle en un mot. Pour Platon, l'humanité ordinaire est, pour ainsi dire, assise dans l'ombre d'une caverne. Elle contemple les parois qui lui font face. Et sur ces parois, il y a de vagues reflets du monde extérieur. Et donc, elle prend ses reflets pour la vérité, pour la réalité. Seulement, grâce à l'outil de la pensée, de la raison, de la connaissance, eh bien, on peut parvenir
s'extraire de la caverne pour arriver au grand jour. Selon l'Évangile, au contraire, seule une intervention extérieure peut nous en sortir. Et c'est le rôle assumé par le Christ qui s'emploie à nous arracher à l'aveugle. Il dévoile et révèle notre destinée ultime qui est faite de lumière et de vie. C'est une révélation à laquelle nous ne pouvons accéder seuls. Recouvrant la vue, l'être humain embrasse sa véritable nature. Il découvre en quelque sorte sa vocation d'enfant du Père Céleste, aimé, pardonné par lui. Il voit clairement qui est l'homme et qui est Dieu, mais il le voit par le Christ et seulement par lui. Alors, bien sûr, c'est comme une nouvelle naissance. C'est bien moi, dit l'aveugle guéri au voisin qui l'interroge. C'est bien moi, mais c'est un moi un peu différent. Un moi qui est passé de l'obscurité à la lumière, de l'infirmité à la plénitude, d'une forme de mort sociale à la vie normale. Ainsi, nous ne sommes pas seulement une conscience de soi sous le regard de la mort, mais par la foi, nous sommes aussi, et nous sommes d'abord, une conscience de soi sous le regard de la vie. Tant que Jésus est dans son propre jour, il œuvre à cela, et il le dit, tant que je suis dans le monde. J'œuvre à la suite de mon Père, et je suis la lumière du monde. Il révèle les gens à eux-mêmes, à leur vérité, à Dieu, et une révélation de ce type n'est pas théorique, n'est pas abstraite, elle entraîne de véritables changements. Et au passage, je trouve que derrière la composition qui est très élaborée de ce récit, il n'est pas impossible d'entendre un écho de ce que fut le charisme du Jésus de l'histoire sur ceux qui l'entouraient, sur ses contemporains. À son contact, les gens devaient se sentir réconciliés avec Dieu, clarifiés, soulagés, remis à l'endroit, acceptés, enfin eux-mêmes. Et c'est sans doute pour cette raison principale que les disciples, les femmes, les foules le suivaient partout où il allait. Ils le suivaient comme les hirondelles suivent le printemps. La nuit vient où plus personne ne peut rien faire. Vous sentez qu'il y a comme un climat d'urgence. Il s'agit de ne pas gaspiller le bref temps qui nous est imparti. Et c'est encore plus vrai pour Jésus, dont la fin prochaine commence à se profiler. C'est dire combien c'est une affaire sérieuse, tout ceci. La décision de la foi, c'est maintenant. Ce qui est prioritaire, c'est bien ça. La décision de la foi. Parce que dans cette nuit qui vient, personne ne pourra plus rien faire, donc il sera trop tard. Et cette affirmation de Jésus est tout à fait conforme à la conception hébraïque de la mort. C'est très net dans les psaumes, par exemple. Les psaumes parlent souvent de la mort. Et ils nous disent que les morts dorment. Ils se reposent. Par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire.
Dans leur sommeil, ils sont veillés. Ils sont veillés par une présence extérieure à eux. C'est pas quand je me couche au séjour des morts, t'y voilà, c'est le psaume 139. Et seule cette présence a la capacité d'intervenir. Donc, quand nous dormirons du sommeil qu'on appelle la mort, nous ne pourrons plus prendre la décision de la foi. D'où cette tension qui traverse le texte. Pour finir, ce passage peut se lire à la lumière de Pâques. Parce qu'il y a un avant et un après. Un avant la croix et un après. Le sommeil de la mort n'est plus le même avant Jésus et après lui, parce qu'une intervention a eu lieu qui se traduit par un tombeau vide, de telle manière que le Christ a allumé quelque chose qui ne peut plus s'éteindre. Alors, contre l'angoisse de la mort, vient désormais une espérance. Une espérance qui l'apaise et qui l'empêche de submerger notre présent. C'est pourquoi le sixième signe nous met en face de notre responsabilité chrétienne. Que pourra faire d'autre l'aveugle guéri que, j'allais dire, de prêcher pour la vie et d'appeler les autres à opter pour la vie et à prendre la décision de la foi dans le Dieu qui est vivant. Il ne peut plus faire que ça. Il s'agit au fond pour nous de passer de la formule que le Christ s'applique à lui-même, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde », à cette exhortation qu'il adresse à ses auditeurs dans le sermon sur la montagne, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Après moi, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et cette exhortation, aujourd'hui comme hier, elle s'adresse à vous et à moi. Aussi, tant qu'il fait jour, travaillons aux œuvres de celui qui nous a rendu la vue. Amen.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, en toi nous cherchons notre refuge. Par cette prière, nous appelons ta miséricorde. Nous te prions pour les malades, les mourants, et ceux qui voient souffrir et partir ceux qu'ils aiment. Nous te prions pour ceux qui vivent sous le joug quotidien de la peur, pour les décourager, pour ceux qui ont de plus en plus de peine à supporter des restrictions dont ils ne voient pas le terme. Nous te prions pour les soignants, les scientifiques, les autorités politiques de notre pays, dont jamais sans doute la responsabilité n'a été aussi difficile. Nous te prions pour ceux qui voient le fruit de leur travail compromis ou détruit par la catastrophe. Dieu de Jésus-Christ, tu vois l'étendue de notre misère, sois notre force chaque matin et sois notre salut au temps de la détresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. À la sortie du culte, notre ami Olivier vous proposera le journal des chômeurs et des sans-abri de Genève, la feuille de trèfle, dans sa nouvelle version dont la presse a un peu parlé, qui est une version un peu plus conséquente que les précédentes. Merci de lui faire bon accueil. Et maintenant, pendant le chant, pendant les variations autour du chant, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre don qui permet à cette paroisse d'accomplir sa mission dans cette cité de Genève. Cantique 285, nous voulons par nos cantiques te rendre gloire au Fils unique. Ensemble et d'une seule voix, nous faisons monter vers Dieu la prière que Jésus a laissée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu sa bénédiction. Allez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente l'énergie qui vous habite, car vous êtes les témoins du Christ qui est venu et qui vient. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix.